Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon mini Happy Planner pour une vidéo Plan With Me. Je vais commencer par habiller les bords avec du masking tape. J'en ai choisi un violet à paillettes et vu qu'il ne colle pas trop, j'ai quand même rajouté une couche de colle en dessous. Je vais ensuite venir dater ma page avec une planche de stickers de chez Carpe Diem. J'ai choisi celle qui est couleur vert d'eau, je la trouve super belle. Je vais maintenant venir créer des géotags. Donc j'ai pris une chute de papier quelconque sur laquelle je viens coller un bout de masking tape assorti à celui que j'ai mis sur la page. Et je vais ensuite venir perforer le tout avec une perforatrice de chez Fiskars. Pour terminer, je prends une perforatrice avec un simple trou et je vais venir faire un trou sur le haut du géotag. Là, je prends des die cuts que j'ai trouvés sur le site AliExpress. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je viens sélectionner ceux qui m'inspirent pour décorer ma page. Là, je prends mon pack de stickers de chez Mambi, This Colorful Life. J'aime bien les tout petits stickers ronds qui sont en bas à droite de chaque page pour noter quelque chose que j'ai à faire dans la journée, pour le mettre un peu en évidence. Je trouve que ça rend vraiment bien. En plus, ils sont tout petits, donc vraiment, on peut les mettre partout. Ça, c'est un petit tampon clear qui vient également de chez AliExpress. Il est noté Coffee Break dessus. C'est une planche en fait un peu dédiée au planeur. Donc également, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Donc là, je viens rajouter quelques petites bricoles pour terminer la déco. Après, c'est vrai que j'aime pas trop charger mes pages non plus parce que je veux laisser de la place pour pouvoir noter toutes les choses qui vont venir se rajouter au cours de la semaine sans devoir écrire à l'arrache en tout petit entre deux stickers. Je viens maintenant refaire les trous sur mes pages puisqu'ils sont cachés par le masking tape et j'utilise la perforatrice spéciale Happy Planner de chez Mambi. Pour finir, je vais venir ajouter la touche déco indispensable à toute planeur addict qui se respecte, les petits paperclips. Celui en forme de licorne, vraiment, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Et voilà, cette page est terminée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye !